Bienvenue sur la chaîne de Starpy Productions. Aujourd'hui, nous allons voir comment finir dans le top 10 en Battle Royale à Call of Duty Mobile. La preuve en image, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment obtenir des médailles et des succès en Battle Royale, uniquement en Battle Royale. Car il y en a qui sont très difficiles à obtenir et comme vous voyez, j'en ai déjà débloqué pas mal. Le tout étant de rester dans le top 10, il y a l'œil de faucon aussi, j'étais très content d'avoir l'œil de faucon. Hein, et j'ai fait pas mal de victoires. L'idée, c'est de vous emmener, vous, vers la victoire en Battle Royale à Call of Duty Mobile. Donc, reporter de guerre aussi, qui était très difficile à obtenir. Hein. Il suffit de ne pas se faire tirer dessus pendant pas mal de temps et de ne pas tirer non plus. Hein. Et puis, d'aider ses potes, c'est important quand on joue en équipe. Allez, trêve de bavardage, je lance le mode Battle Royale. Hein. Moi, je choisis toujours la vue à la première personne, car je vise beaucoup mieux. D'ailleurs, c'est ce qui me gênait un peu dans Fortnite. Je n'aimais pas trop la vue à la troisième personne. Et puis, je lance en solo. C'est parti. J'ai eu quelques soucis de son car la map est très très grande, alors j'espère que ça ne vous choquera pas trop et j'ai essayé à des moments de faire en sorte que ce soit bon pour vos oreilles. Quoi. Allez, c'est parti. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais montrer un tout petit peu les différentes classes. Là, je vais utiliser le grappin ninja, donc la classe ninja qui me permet de me déplacer très facilement de toit en toit ou même sur les lieux hauts. Nous avons le capteur d'ennemis qui nous permet de repérer les capteurs d'ennemis. D'ailleurs, je conseille à tous les gens pour repérer les ennemis d'utiliser un casque, hein, car on repère les gens très facilement avec le casque avant même de les voir sur la carte. Et voyez, là on voit tous les petits points, ce sont les ennemis. Le clown nous sert à jeter des zombies, tout simplement. En fait, ça attire des zombies près des gens, c'est très pratique et très sournois. Nous avons aussi de quoi soigner nos coéquipiers. Le bouclier, je n'aime pas trop le bouclier, ça envoie un flash et on peut se protéger derrière un bouclier. C'est pratique, mais personnellement, j'ai tué toutes les personnes qui s'en sont servies face à moi. Mais j'utilise, moi, vous allez le voir, le drone. Le drone qui, lui, détecte les ennemis qui sont proches de nous. Et ça, quand on joue tout seul, eh bien, je le recommande fortement. Allez, alors pour avoir un des succès, il faut sauter dans les 20 secondes. Donc moi, ce que je fais en général, je saute tout de suite. En plus, ça permet de faire du frag rapidement et de se déplacer pour trouver des armes très très vite. Car plus on est au sol rapidement, plus on a de moyens de se défendre rapidement. Et observer le ciel est une bonne astuce, mais ne le faites pas trop longtemps. Prenez d'abord des armes et observez le ciel ensuite. Là, j'obtiens un sniper. Sniper qui est pour moi l'arme la plus recommandée quand on joue tout seul et quand on joue en Battle Royale. Quand on joue à Call of Duty d'ailleurs. Et moi, je la recommande et je l'utilise toujours en arme secondaire. Car quand les gens sont loin, on les voit très très vite arriver. Et puis one shot, quoi, quand on tire bien. Allez, c'est parti. Donc, on fouille un petit peu la map. On observe toujours autour de nous si des gens sont en approche. Car quand on atterrit, dans les 20 à 30 premières secondes, ça peut être le flash, quoi. Donc, toujours, toujours être en affût autour de soi. Écoutez aussi. Tiens, là, regarde. Par exemple, j'ai entendu quelqu'un. Ah, voilà. Concrètement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le flash. Eh bien, moi, ça sert à rien. Là, je lui envoie ma petite grenade à l'intérieur de la maison parce que je sens qu'il s'y est réfugié. Et pendant que la grenade explose, voilà. Il sait pas où je suis. Je le tire dessus. Toujours rester calme. En toutes circonstances. Vous verrez souvent les joueurs en face de vous ont tendance à paniquer. Et c'est une erreur. Donc ramassez tout ce qui vous sert. Essayez de trouver un gilet. Le gilet, c'est vraiment important. Le violet, hein, évidemment. Donc, les couleurs vert, c'est pas bien. Enfin, c'est moins bien. Bleu, c'est très bien. Et puis, violet, c'est exceptionnel, quoi.
N'hésitez pas aussi sur les cadavres à récupérer leurs armes. Si leurs armes sont vos favorites, n'hésitez pas à les récupérer. Moi, je le fais régulièrement. Toujours à l'affût, évitez d'être à terrain découvert, c'est-à-dire passer derrière les petits rochers, les petits bosquets. Évitez de courir sur la route. Voilà, sauf si vous utilisez un véhicule. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Moi, j'utilise très peu de véhicules ou alors l'hélicoptère. L'hélicoptère que je me débarrasse bien souvent d'ailleurs avant d'atterrir. C'est-à-dire que je n'atterris pas avec, je le jette en route et je vole. Comme ça, j'atterris souvent derrière un ennemi. Alors, moi, j'ai eu des difficultés à me concentrer à cause des petits parasites sonores. C'est pour ça qu'à des moments, vous me verrez faire 2-3 blocages. Un ennemi là, vous voyez, bam, dans la tête. C'est vite réglé. Alors, moi. Je conseille aussi fortement d'utiliser l'adrénaline. Dès que vous pouvez, ça vous monte à 150 PV. Ça peut sauver la vie. Parfois, je me suis retrouvé à 1 ou 2 PV après un combat, après un face-à-face avec quelqu'un. Et je pense que ça joue en la faveur du joueur. Alors, les plus attentifs auront remarqué que quand j'ai mon drone, je suis plus à découvert, mais quand j'ai pas mon drone, eh ben je reste caché. Parce que si mon ami c'est le sniper, mon ennemi c'est aussi le sniper. Il faut bien se méfier des angles morts et de tous les axes un petit peu en hauteur, car en général, on retrouve très très souvent un ami sniper dans ces points-là. Et c'est d'ailleurs ces points-là que je recommande fortement. Donc là, je suis pas allé en haut. Hein, parce que je fouille encore les maisons, parce que c'est vraiment dans les maisons qu'on trouve le meilleur matériel. C'est-à-dire, là, je cherche un gilet pare-balles violet ou quelque chose qui pourrait s'y ressembler. Vous aurez remarqué aussi que moi, j'utilise pas une lunette, j'utilise une crosse, car mon sniper étant déjà équipé d'une lunette, je préfère la mobilité à voir de loin. Car les ennemis, quand ils sont près de moi, eh ben, ça me dépanne bien souvent. Et d'ailleurs, je pense qu'on en a un pas très loin. Alors, le fait de changer d'arme et de prendre le couteau, ça me permet d'être plus rapide. Par contre, il ne faut pas oublier de changer d'arme quand on a quelqu'un en face de soi. C'est important d'être toujours mobile quand on est à découvert. Donc là, hop, je me mets à couvert et fouillez bien les bâtiments. Attention, méfiez-vous, parfois on peut trouver quelqu'un qui se cache. Prendre le medikit, ça c'est super important en cas de dernier recours. Ah, j'arrivais pas à passer. Ah, là il y a quelqu'un. Regardez, je vais le surprendre en sautant du toit. Et je vais vous montrer aussi le sniper, pourquoi c'est important d'avoir un sniper sur soi. Regardez-moi ça. Hop là! C'est clairement la meilleure arme du jeu, quoi. Enfin, peut-être pas celle-ci, parce qu'il y en a une, on voit. Alors, il y a les grosses caisses qui tombent. Alors, je prends ces armes. Il y a les grosses caisses qui tombent. Quand ces grosses caisses tombent, elles sont signalées avec une fumée rouge. Faites attention quand vous allez là-bas, parce que souvent, vous n'êtes pas les seuls à les avoir vues. Mais dedans, il y a les meilleures armes du jeu. Alors, elles sont oranges. Et on voit les ennemis en infrarouge avec le sniper. Et ça, c'est formidable. Là, vous voyez que je ramasse des grenades. Alors, celles-ci, les grenades bleues et les grenades vertes, si vous ne le faites pas manuellement, elles ne se ramassent pas automatiquement. Et il y a un succès où il faut simplement jeter des grenades. Et moi, j'adore jeter des grenades. Alors, je balance des grenades parfois comme ça. Voilà. Comme détruire les véhicules, il y a un succès, il faut détruire des véhicules. Donc pensez de temps en temps, quand vous croisez un véhicule, à le détruire. Ça vous rapportera un succès. Voilà, c'est 10 la première fois. Donc je lance mon drone, je vérifie qu'il n'y a personne. C'est important, toujours être enfin, caché, quoi. Donc pour ça, je rampe bien souvent. Voilà, là il y a quelqu'un. Donc ne pas paniquer. Et regardez, lui, il va paniquer. Donc là, on lui fait face. Voilà. Et je vais le prendre par surprise. Regarde-moi ça. Il m'a pas vu. Ouh, c'est chaud quand même. Et vous avez vu l'intérêt de porter sur soi toujours l'adrénaline, c'est que eh ben, j'aurais dû mourir à 100 et je ne suis pas mort. Donc vérifiez ce qu'il a sur lui, s'il y a une arme qui vous intéresse plus que ce que vous avez, et puis restez caché.
Hein, souvent aussi rester à proximité de quelqu'un qui parfois il a été suivi par un autre et ne partez pas tout de suite. Voilà, donc moi petite adrénaline. Hein, ramassez tout ce qui compte pour vous. Voilà, c'est ce que je disais. Si je le fais pas manuellement, un autre sniper. Et puis là, on va observer. Donc observez bien, quand on s'approche des bâtiments, en général, vous n'êtes pas les seuls. Vérifiez tout le temps votre carte, vérifiez tout le temps les points au plus proche de vous. Et quand vous avez le drone, envoyez-le le plus souvent possible. Pensez à vérifier autour de vous la zone, que la zone ne se rapproche pas. Je la vois dans le fond, là, par exemple. Qui se rapproche de nous, eh bien, ne paniquez pas si vous êtes pris dans la zone. Je vais vous montrer comment vous en sortir. Il suffit de se mettre à bon shot d'adrénaline. On peut utiliser un véhicule, comme je vais le faire là maintenant. Ça nous permet de se mettre en hauteur rapidement et d'éviter des coups de feu qui pourraient nous surprendre et puis nous faire assez mal alors que la zone elle-même se rapproche. Et puis moi, ce que je fais, c'est qu'en général, un véhicule, je ne le garde pas parce que ça fait énormément de bruit et forcément, ça attire l'attention. Alors là, évidemment, j'ai mon drone qui était autour de moi, donc je suis un peu protégé entre guillemets. Et pensez à vraiment changer d'arme pour avoir plus de mobilité. Toujours rester caché. Vérifiez derrière vous si vous n'êtes pas suivi, si quelqu'un ne court pas après la zone. Et vérifiez, là je vérifie mon véhicule, si quelqu'un n'a pas entendu le bruit de mon véhicule. Et toujours, toujours, toujours se retourner, vérifier derrière soi si on n'a pas quelqu'un qui nous trace. Et oui, parce que bah, moi je fais ça parfois, j'attends derrière la zone et puis bah, je tue des gens. Comme ça on fait du frag facile. En plus ils perdent de la vie avec la zone bleue. C'est super important d'avoir le drone tout le temps en permanence déclenché. Ça nous permet d'avoir les gens à proximité. Hein. C'est vraiment, j'insiste là-dessus, quand on est tout seul, c'est vraiment un atout super important. Donc, voyez, je me rapproche de la zone. C'est aussi la zone de combat. C'est là que tout se rapproche. Regardez en haut à gauche, vous voyez le petit compteur. Et nous, ce qu'on veut, c'est être dans le top 10. Donc on voit qu'il reste encore 38 personnes. Donc avec moi, ça fait 37 et demi en face. Hein. Et donc, ce que je préconise, c'est un petit peu de discrétion à ce moment-là et de ne pas courir directement ou systématiquement sur des coups de feu qu'on entendrait. Évidemment, on veut faire un frag de au moins 10, puisque le succès, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, et ben c'est d'au moins 10. Et l'idéal, et ben c'est d'employer la technique que moi j'emploie souvent, c'est celle du ver de terre. C'est-à-dire ben, de s'accroupir et de faire du frag sur les pauvres innocents qui viendraient. Ah, ben, je vais vous montrer un petit peu la technique du ver de terre. Là, dans l'herbe, ça marche assez bien. Regardez discrètement, je m'approche sans stress. Évidemment, voilà, tiens, évidemment, s'il vous voit, vous vous relevez directement. On vérifie toujours sa santé après chaque combat. Vérifiez que vous n'avez pas été blessé et pensez à vos shoots d'adrénaline ou autres soins. Alors, moi, j'ai choisi un point haut justement pour pouvoir faire un petit peu du frag au sniper. Et je pense que si je me débrouille bien, je devrais au moins en faire un. Tiens, là, regarde, dans la cabane. Tu vois, il est super loin, mais je le vois. Il est caché juste derrière. Je sais pas si je pourrais l'avoir. Le problème, tu vois, c'est que là, je viens de me faire repérer. J'avais pas de silencieux sur mon arme. Alors, pour avoir le silencieux sur l'arme, il aurait fallu que je sélectionne mon fusil sniper et que je passe sur un silencieux. Et j'ai oublié de le faire. Tiens, regarde, là, il y a quelqu'un. Je l'ai vu passer. J'entends des coups de feu. Je vois pas vraiment où est-ce qu'ils sont. Avec la zone qui se rapproche.
ça met la pression aux joueurs. Et c'est super important de ne pas se laisser déconcentrer. On va remettre un zoom sur la cabane là-bas. Non. Il a dû sortir. Ah, mon drone a repéré quelque chose. Alors, on va voir ce que c'est. J'ai dû me faire repérer. Bon, le truc, c'est qu'il faut pas que je reste en place. C'est que si moi je le vois pas, lui, il m'a certainement vu. Et je sais pas où il est passé. Ah, je vais reprendre le sniper. Je pense que ça risque d'être plus simple. N'oublions pas qu'avec la zone qui est plus petite, le stress est beaucoup plus grand chez le joueur, du coup il a plus tendance à se cacher. Et oui, en début de partie, tout le monde court dans tous les sens, et à la fin, les gens sont plus prudents, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont à la fin. Tiens, regarde, il est là. Là, normalement, je ne peux pas le couper. Ah, il a fait la même chose que l'autre, il y a un trou là-dedans, quoi. Bon, je vais pas m'attarder plus ici, il faut que je bouge. Non, ça sert à rien. Non, je le vois pas. Alors l'idéal, c'est que de jamais trop s'attarder au même endroit. Je vais me rapprocher de lui. Tu vas voir, je vais me rapprocher à la vitesse grand V. Voilà. Ça, c'est la super méthode pour être discret en toute occasion. C'est pour ça que je trouve toujours des plateformes élevées par rapport à la map. Ça me permet de me rapprocher. Mais il est passé par où? Bon. On va aller au centre de la carte. Ça nous permet d'attendre la fin, le dernier qui se pointe. Ça m'est arrivé d'ailleurs de gagner juste parce que bah, j'étais dans la zone et puis bah, la personne n'y était pas et je ne l'ai jamais vue. Voilà. Après, le sniper m'a aidé aussi souvent à empêcher les autres d'approcher. Et puis une fois, c'était au milieu de l'eau et au milieu de l'eau, j'avoue que j'en ai dit, tiens, regarde. Voilà. Pendant que son menu est ouvert, faut en profiter, faut pas hésiter. Hein, vraiment, regarde, regarde, qu'est-ce qu'il fait? La glissade. Regarde, il panique. Il aurait pu me tirer dessus plein de fois, mais non, il a paniqué. Je pense qu'il se cachait pour prendre justement un soin ou quelque chose. Tiens, ça tire pas loin. Alors moi, j'utilise la grenade. Hein. On prend la grenade car il y a le secret, enfin, le succès de la grenade, hein, c'est important. On est là pour ça, nous mettre dans le top et débloquer des succès. Regarde, je vais essayer. Voilà. Je vais essayer de me rapprocher de lui. Pas courir bêtement sur lui non plus. Toujours penser à rester discret malgré tout, surtout qu'il sait pas que je suis là encore. Alors où est-ce qu'il est? Je l'entends pourtant. Elle est en hauteur, je pense. Bon, l'idée, c'est comme je vous dis, c'est de pas se faire plomber, donc de rester discret, de retourner un petit peu, me cacher à l'intérieur, et ah voilà. Oui, je vais me le faire assez facilement. Je vais le surprendre en passant par tout. J'en profite, on se met à couvert. Pensez tout le temps à vous mettre à couvert. Si vous avez la moindre action à faire, restez pas au milieu, surtout à la fin, quoi. Au début, bon, tu peux un petit peu te balader dans les champs, mais à la fin, soyez le plus discret possible. C'est comme lui, là, tu vois. Je vais me le faire. Regarde. Voilà. Viser la tête, c'est super important et ça permet de se débarrasser vite des personnes. Donc la fin est dans le tunnel
ou au-dessus du tunnel, a priori, et je pense que la personne est au-dessus du tunnel, et moi, je vais l'attendre sagement à l'intérieur. Je vais même vérifier s'il ne reste pas la dernière personne dedans avec moi, puisqu'il n'est plus que trois joueurs, si vous regardez le petit compteur en haut à gauche. Pour la stream, enfin pour le screenshot, enfin screen d'écran, pour la capture de vidéo, hein, j'ai trouvé mes mots. L'idéal, bah, normalement, ça aurait été que je reste à l'intérieur et que je guette, voilà, que je reste vers le petit point et que j'attende sagement. Mais je vais prendre un petit peu des risques pour vous, téléspectateurs. Je vais essayer de débusquer la personne. Donc déjà, faire du bruit, ça peut aider. Je vais même essayer de tirer des coups de feu. La petite musique que vous pouvez entendre, d'ailleurs, bah je sais que lui, il a les zombies, et ça, c'est pas pour m'arranger. Donc, je vais pas prendre les caisses, hein, ça sert à rien. Je sais que si les zombies sont là, et ben pendant que je tire sur les zombies, et bien, bah lui, il peut me tirer dessus facilement. Donc, moi, je conseille normalement à un joueur qui veut vraiment être au numéro 1 de ne pas bouger. Mais moi, bah pour vous faire plaisir, et ben je vais essayer de le débusquer. Voilà. Je vais tenter de le débusquer. Ah, j'ai plus de batterie. D'ailleurs, un conseil bah, pour tous les joueurs qui veulent finir une battle royale sans être trop frustrés, pensez à votre batterie parce que ça met la pression. Et en plus, eh ben, c'est toujours pénible de devoir perdre à cause de la batterie. Alors, je sais qu'il est au-dessus de moi. Voilà, je sais qu'il est au-dessus de moi, mais je sais pas où. Il va descendre. Il va descendre. Moi, je vais prendre une grenade et tu vas voir, je vais essayer de le débusquer à la grenade. Alors, si je tire ça, là, normalement, je devrais l'avoir aveuglé. Et j'ai pas pris la bonne grenade. À la place de ça, j'ai lancé une fumigène. Je sais pas comment arriver parce que je ne le vois pas. Alors, je ne reste pas sur place, je me déplace. Et il m'a bien touché. Donc, comme je vous disais, de toujours prendre. Des rations de survie avec vous, c'est super important, la preuve en est. Et là, normalement, ah, je vois son drone. Son drone qui est en train de me chercher. Non, c'est le mien de drone. Ah, je tire sur mon drone. Et voilà. Voilà comment perdre rapidement. Je me suis fait shooter. Et je finis deuxième, donc le but était dans le top. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le programme est présenté par Starpy Productions.